Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, on a un peu de sous. Un peu. C'est un pléonasme, mais ouais, pourquoi pas. Alors, on va essayer de mettre la dernière. Enfin, la dernière, non, il y en a deux. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. Donc, la moyenne, elle est ici, on la voit, elle fonctionne. J'ai descendu un peu parce que sinon, les gens n'allaient plus s'y intéresser, mais j'ai réussi à avoir, vous voyez, les 2000 qu'il fallait. Donc on va pas se poser de questions, on va en ouvrir une autre. Là par contre, tendu. Autant vous le dire parce que c'est 3000. C'est pas pour rigoler, hein. 3000 et 3000. Donc, il y a moyen. Alors j'ai 16 000. Bon, il y a beaucoup beaucoup de petits messages qui apparaissent. C'est vraiment intempestif, hein, pour moi, je trouve. Montagne russe. Alors par contre, je suis occupé de perdre de l'argent. Et ça, c'est pas cool. Alors, gold mine. Gold One. Ah, 18 000. Ah, ça c'est pas cool. Bon, vous savez quoi? Après tout, on n'en a rien à faire. Ajouter un emprunt. Voilà. Alors, comment ça... What? J'ai recommencé, j'ai pas de sous. Voilà. Maintenant, j'ai des sous. Alors, c'est quoi ton problème? On va le mettre en face. En... Pas en facile, en lent. Pour le problème, c'est que les sons, du coup, sont... Horrible, t'as tous les sons qui vont, la musique, le... Oh. C'est limite pour péter un câble. Qu'on soit d'accord. Alors... Est-ce que c'est... Oh, j'ai cliqué trop vite. Soit, ça m'apprendra. Ben non, en fait, ça peut encore aller. Ça m'apprendra, mais ça peut encore aller, franchement. Elle est ouf. Voilà, je vous avoue que je suis un peu perdu. Hein? Hein? Voilà, boum. Bon, on va faire ça. Ça, c'est la sortie. Donc, je peux me permettre de la faire sortir. Ouais, quelque part, s'il veut bien. Je sais pas ce qu'il a, mais il veut pas. Voilà. Voilà, genre, franchement, un truc dans le genre, quoi. Ici. Vous voyez? Mais vraiment, hein. Je le fais longer l'attraction ici, et je la fais scaler là-bas. Voilà, ça fait beaucoup d'ici et de là-bas, mais on se comprend, hein. Évidemment. Non? J'espère. Ah non. Voilà. Regardez ça. Et boum. Ça, c'est le chemin. Alors, la file d'attente maintenant. Voyez-moi, ça va être autre chose. On va se caler là-bas directement. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous en empêche après tout? Oh là. Par contre, on va... Voilà. On va descendre directement parce qu'on a une sacrée hauteur, hein. Ça, je pense qu'on l'a vu. On l'a tous vu, on l'a tous compris. Oh là 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 là. Alors. Bon, après tout. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêche de me caler là? Je ne sais pas. Quelque chose m'en empêche. Ouais, le sol, ça va être compliqué. Ouais. Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. On va essayer de se caler comme ça. Alors, si c'est pas possible dans un sens, on le fait dans l'autre. C'est vraiment pour rire des gens, hein. Voilà. Non. Eh bien, vous savez quoi, tant pis. On abandonne cette idée. Et on part dans... Dans ce sens-ci. Non. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui me gêne? Bon. Eh bien, on va continuer tout droit.
Il y a quelque chose que je comprends pas ici, hein. Il va falloir m'expliquer. Bon, allez. Incroyable, ça, hein. Non? Attendez. Vous savez quoi, je vous l'avais dit précédemment, j'allais le faire, mais ce coup-ci je le fais, vraiment. Delete? Non? On peut pas? Sélectionner le bâtiment, delete. Voilà. Il est où le problème? J'en vois plus, moi. Maintenant j'en vois plus. Bon, par contre, ça va être tendu, hein, les gars. Bon, ça va en fait. J'aurais déjà pu tester l'attraction. Ça aurait été bien de le faire. Voilà. On regagnera des sous. Ne vous en faites pas. Voilà, je crois que je peux. Voilà, rembourser déjà. Pas forcément toujours attendre après quelque chose. Alors quand elle commencera, ça va être sympathique. Allez, allez mon coco. Alors, évidemment, capacité pleine, 30 et 45. Et c'est parti. Et c'est parti. Oh. Quoi? Il est où le prix? C'est ça le problème, c'est le prix à tous les coups. Oui, bon, on va commencer à 10. On va faire ça. J'ai fait la même méthode de l'autre côté. En fait, je mets un prix très attractif. Ils rentrent tous dedans. Et une fois qu'elle a acquéri une certaine notoriété, hop, je monte le prix. Et merci, au revoir, quoi. Vous voyez? Donc là, par exemple, je peux déjà mettre 15. Et je pense pas que ça va choquer des gens. Ça va en choquer quelques-uns. Non, ça va. Ça peut encore aller. Bon, maintenant. Ce qu'il me faut, c'est augmenter la note de l'environnement. Bon. Comment je peux faire ça? J'avais mis un bâtiment précédemment. Je m'étais pas cassé la tête, en fait. J'avoue. Bon, ça, c'est un peu grand, quand même. Hein. C'est un peu too much, les gars. Non? Autre bâtiment. Voilà. Ça, c'est bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ça prend pas de place, en théorie. Alors, attention. Voilà, paf. Normalement, ça a fait bondir la cote. Ouais. 55. Il m'en faut un deuxième. Et je suis bien. Voilà. 15. On va laisser d'abord comme ça. Afin que tout le monde puisse commencer à... Environnement. Peut-être une télé, quelque chose dans le genre. Des petits... Voilà. Ouh là là. Ils ont l'air vraiment enthousiastes par rapport à cette attraction. C'est bien. Bon. Vous savez quoi? On va quand même mettre des petits baffles. Je sais que la fois passée, j'ai dit « Ah, mais ça coûte cher, machin. » Mais c'est pour la bonne cause, hein, les amis. Faisons ça avec le sourire. Et il y a du monde, hein. Et il y a du monde. C'est parti. On va pouvoir penser à monter le prix. Voilà. Ah oui, 97%. Bon, ça va. Voilà, c'est bon. On peut monter le prix. Ça coûte hyper cher, mais non. Mais non. Alors, je sais pas comment je vais faire pour monter le prix. Parce que bon, il faut que j'arrive à 3000. Hein. On est d'accord. Alors, j'ai quand même un doute que j'arrive à être aussi haut. Après, c'est juste de l'optimisation de... Vous voyez, comme là, par exemple, la sortie, elle aurait dû être là tout de suite. C'est pas grand-chose. Là, l'entrée, elle aurait dû être à côté, ici. L'une à côté de l'autre. Comme ça, ils n'ont pas à se déplacer. Là, par exemple, vous voyez,
ils perdent du temps en déplacement jusque-là, et eux perdent du temps en déplacement jusque-là. Hein, sur le long terme, ça peut poser problème, croyez-moi. Waouh. Bon. Soi-disant, c'est trop cher. Mais soi-disant, ils sont tous dedans. Hein. Voilà. Bon. 1 700 000. Bien, vous savez quoi, marketing, on va lancer une nouvelle marketing. Nombreuses familles, non. De nombreux groupes d'adultes, non. De nouveaux. Des adultes. Allez, impact important. Forcément, la télévision, ça impacte beaucoup sur nos vies. On est à 2000. Alors, le prestige, la qualité de l'attraction, la note de l'environnement, de la file d'attente. Ok, bon. Il y a moyen de moyenner ou quoi? 2000. Il me faut 3000, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Environnement. Un petit décor. Vraiment. Tac. Et tac, voilà. Bon, on est à 2200 personnes. Ça doit le faire normalement, hein. J'aurai jamais les 3000 requis. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Faut que je monte à 25 ou 27, peut-être. Mais ils vont jamais suivre, mes gars. Jamais. Ils vont jamais vouloir rentrer. Bon. A priori, si. Ouais, j'ai quand même 18% qui se plaignent. Mais dans un sens. 18% de beaucoup de personnes, ça fait toujours des gens. On est à bénéfice du mois 2700, possible. Faut que je fasse 27. Voilà. Ah, 27 ça passe. Non, en panne. Ça c'est dégueulasse. C'est là que toute la difficulté va résider. Ou que toute la difficulté réside, si on veut. Ça c'est dégueulasse. Voilà, le réparateur est déjà là. Après, je pourrais même me permettre, tant qu'elle est là, on va le faire. On va activer les passes prioritaires. Ah ouais. Ou pas. Là. Ah oui. Envie. Ainsi, voilà la sortie. Vas-y, hein. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bon. Ah, c'est juste incroyable. Bon, allez, c'est pas grave. On va faire ça à l'ancienne donc. Voilà, bon. T'es content maintenant? J'ai fait ma file de merde. Ouais, c'est ça, il est content maintenant. Il est content. Voilà.
Ouais, ok. Ça va être folklorique, hein. Croyez-moi. Attendez. Va falloir qu'on fasse tout droit comme ça. Qu'on descende comme ça. Non, qu'on descende, j'ai dit. Voilà. Qu'on fasse ça. Bon, ça va être tendu, ça. Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Au pire des cas, je suis occupé de me dire. On va démolir ça. Bon, l'entrée dépasse. On l'avait tantôt. On fait ça. On place la sortie dépasse. Attendez, hein, que je ne dise pas de bêtises. Oh. Le faire ici, par exemple, hein. Voilà. Parce que, en fait, je vois pas comment m'en sortir sans les passes prioritaires. Normalement, il devrait pouvoir impacter sur le bénéfice total de l'attraction. Voilà, je vais y arriver. Et donc, évidemment, faire monter mon... Comment dire? Mon quotient, ouais. Mon bénéfice. Voilà. Donc, il est donc normal que j'en mette une. Mais par contre, wow, ça va quoi. On va faire des tours. Mais bon. Dans un sens, on s'en fout. Étant donné que grâce à ça, ils vont pas devoir attendre. Et donc, encore une fois, ça rentre tout seul. J'espère. Voilà, c'est parti. Non. Bon, pendant qu'on est occupé de faire ça, il y a évidemment. Alors, priorité élevée, évidemment. Maintenant, en fait, ça joue pas. Évidemment, il n'y a personne qui veut rentrer dedans maintenant. Merci, les gars. Oui, non, non, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, feu d'artifice. Merci. 2200 personnes, quoi. Rendez-vous compte. Je pourrais même placer l'autre en or directement. Alors, la vache, ça coûte hyper cher, c'est logique. 20. Voilà. Évidemment. Oh là là, c'est la cohue. Alors, bénéfice mensuel, coût des utilitaires 1000, coût des wagonnets, coût des stations. Ok, c'est ça. De me dire j'aurais dû. Bon, prochaine, j'essaie d'en mettre 3. Y a des chances. J'arriverai jamais. Et non, j'arriverai jamais. Bon. Ça va être quelque chose que je vais devoir, quelque chose que je vais devoir travailler offline, certainement. Il y a de grandes chances. De 25, 30. On verra. Attendre 30 secondes. Alors, on va laisser faire ça. On va laisser faire remplir la file. Et donc après, on va blinder. Les finances. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà un problème avec ça? Non. Pas encore. Mais c'est pour éviter. Bien vu. Ok.
Bon, après, c'est pas grave, hein. Ils viennent, ils remplissent la file. Ça me pose pas vraiment de problème à moi. Donc, il n'y a pas de panne, le reste après, c'est pas grave. On va regarder. Hop là. Il y a un problème de remplissage. 30, 30, non, 40. Allez. Je pense que le temps d'attente entre minimum et maximum, il est trop trop proche l'un de l'autre. Je pense que ça doit être ça. Ok, c'est parti. Bon, on est déjà à 17 000. Pendant qu'on fait ça, je suis occupé d'ajuster un peu tous les détails et du coup, je regarde pas tout ça forcément. Ok, bon. Eh bien, vous savez quoi? Non, Pepper. C'était bien joué ce son, franchement. On va se laisser là pour cet épisode. Non, je rigole. En tout cas, pour cette carte. Et on va commencer directement une autre. Franchement, je vois pas l'intérêt d'essayer de se... Comment dire? De se battre avec ça, ici. Voilà. Autant retourner au menu principal et commencer la prochaine mission, la prochaine carte. Tout ça ici, ça peut être fait en offline, donc je pourrais passer des heures et des heures, ou peut-être même que 5 minutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'était que 5 minutes, je le saurais, ça serait déjà arrivé. Alors, nous allons attaquer le hangar. Oui, c'est bien ça. Le hangar à vaisseau. Miss Ellie, elle est chaude comme la braise avec son fusil, là. Allez, des films célèbres ont été tournés dans ce désert qui ressemble à s'y méprendre à la surface de la planète Mars. L'endroit n'attire plus les grosses productions de nos jours. Tout est relayé... De nos jours, tout est réalisé en images de synthèse. Mais les propriétaires ne veulent rien lâcher et vous ont demandé d'en faire un parc d'attractions. Ok, bon... Eh bien, nouveau scénario, c'est parti. On va découvrir ça ensemble. Avant de se laisser. Alors, le hangar à vaisseau. Blablabla, blablabla, bla bla, je l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce que nous avons comme superficie? Ah, des crops. Comment on dit ça encore? N'hésitez pas à me laisser le... Le message dans les commentaires, le crop quelque chose. Quand un vaisseau se pose dans le maïs et laisse son empreinte. J'ai un petit peu oublié. Et je vous mets du coup un petit peu à contribution. Bon. Alors, nous avons ça. Ok, donc on a une... Ok, on a ça. Donc ça c'est le décor, ok. L'entrée? Peut-être? Non? Elle est où l'entrée? Là? Peut-être? Alors là, les gars, si vous voyez l'entrée, bah, c'est quoi cette histoire? Y a pas d'entrée. No entry, please. Quoi, ce serait ça l'entrée? Non. Là, ça me semble bizarre. Pom. Bon, on va faire comme si on avait compris. Attendez. Je comprends rien du tout. C'est bien, mais il faut que je comprenne où soit l'entrée d'abord, non? Avant de pouvoir penser à faire quelque chose. Là. Ok, autant pour moi. Waouh. Attendez. D'accord. Ok. On s'emballe pas, on a compris nos erreurs. Personne. Oula, c'est beau ça. Attendez, on va faire en 4, on va les faire relier, hein, parce que je connais le truc ici. Puis on fait en 8,
et on en fait une grande. Voilà. Ça, c'est beau. Alors, on profite de la musique. Regardons un petit peu nos objectifs. C'est vrai qu'on a perdu ça de vue. Alors, construire 3 attractions avec des bénéfices d'au moins 1500. Montagne russe. Atteindre une valeur de parc de 25 000. Why not? Atteindre une part de 60 000. Une valeur de parc de 60 000. Mm-hmm. Créer. Créer un feu d'artifice qui retient l'attention de 100 visiteurs pendant 30 secondes. Donc, il doit évidemment faire plus de 30 secondes. Construire 5 attractions avec des bénéfices d'au moins. Et 10 000. C'est possible ça? Comment c'est possible? Et alors, on a atteindre une valeur de parc de 1000, créer un feu d'artifice et construire 7 attractions qui. Toto! Ah, voilà, je comprends mieux. Ok. 7, 15, ça fait. 2200. Ok, par attraction. Mais, évidemment, comme c'est Toto, il peut en avoir qui font plus et d'autres moins. Mais, je pense que vous avez déjà compris où ça veut en venir. C'est malheureusement une coaster. Enfin, une coaster. 7 coasters. Par contre, ça va être tendu de les placer ici. Mais soit. C'est pas grave. On est habitué. J'ai oublié de regarder la gestion du parc. Les finances. Où sommes-nous? Ça, c'est dégueulasse. Donc. Ah, encore un. Un taux d'intérêt exorbitant à 18%. Merci les gars. Voilà pourquoi c'est difficile. Hein? Alors, attractions. Petites attractions. Bah oui. On va commencer par là parce que sinon, on va se faire plomber direct. Il faut qu'on puisse en quelque sorte rentabiliser directement. Enfin, rentabiliser. Minimiser. Voilà. C'est plutôt ça que je vais devoir dire. Minimiser les pertes. Voilà. Hop, on ouvre. Directement. Non. On va trop vite. Activer les passes prioritaires. Ben oui. On place ici. Tac. Et puis, on fait la sortie. Allez, vas-y. Me fais pas un plan comme ça. Ok. Je. Comment ça, la file d'attente n'est pas valide? Mais si. Mais si. On va faire ça. On va recommencer. Entrée des passes. Jusque là. Tac. Placer la sortie. Voilà. Et alors après? Voilà. Ben voilà, il est où le problème? Moi, je vois aucun souci, hein, les gars. Bon, on sait que maintenant, l'entrée est ici. On va y placer. Toc, toc, toc. Penny. Peut-être une attraction qui. Celle-ci est plutôt. J'aime bien parce qu'elle est plutôt rentable parce qu'elle elle demande beaucoup de personnes en même temps. Malheureusement, le prix à payer, c'est sa taille. Mais ça va. Allez, on va faire ça comme ça. On va placer l'entrée sur le côté droit et la sortie directe. Attendez. Tac. On va faire ça, comme ça, et on va placer la sortie juste face à la route. On va faire ça comme ça. Ici. Pour pouvoir permettre la construction d'une file d'attente VIP. Hein. Ici, comme ça, nous y sommes. Pas de raison qu'on n'exploite pas ce filon là non plus, les passes prioritaires, voilà. Je pense qu'ici ça devrait être bien. L'entrée. Voilà. Allez, tac. Et la sortie. Ici, voilà. Bon. Déjà mieux que rien, on va l'ouvrir. Minimum 30 secondes, maximum 50 secondes, c'est déjà bien.
C'est déjà plus que bien. 30. Et là, pareil. À capacité max. 35, 50 secondes pour le maximum de temps d'attente pour celle-ci. On va regarder dans les boutiques et services. Est-ce que les informations ne sont pas faites? Évidemment, merci les gars. On colle un gros emprunt à 25 000 avec 18% d'intérêt. Et derrière ça, on ne fait même pas les recherches. Nous y sommes. Premier secours. Ad Fantastic. Gulpi. Missy Good. Eh bien. Super. Tiens, nouveau thème. Fête de fin d'année. C'est assez nouveau comme thème, ça. J'avais pas encore vu. Ouais. Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'a pas le choix. Il va falloir faire les boutiques et services pour débloquer le kiosque d'information. Combien je paye l'entrée? J'ai pas regardé ça non plus. Important. Zéro. Ok, c'est gratuit pour tout le monde. 5 et 3. On va déjà faire ça. Il n'y a pas assez d'attractions. Moi, je rentre chez moi, 100%. Ok, merci. Ils sont très contents. Et c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On a déjà pu voir un tout petit aperçu donc de ce qui nous attendait pour la dernière mission. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi. Bye bye!